Le fait de connaître Dieu a lieu par le fait de connaître ce qui est obligatoire selon la raison saine s'agissant de lui, ce qui est impossible à son sujet et ce qui est possible d'être parmi ses attributs. Dieu existe et n'a pas de ressemblance avec les choses qui existent. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Dieu existe sans comment, sans endroit et sans direction. Le comment, c'est tout ce qui fait partie des attributs des créatures. Comme quoi? Comme la position assise, comme l'établissement, l'installation, la proximité et ce qui est de cet ordre. Dieu est exempt du comment. Dieu est le créateur des corps. Il n'est pas un corps. Dieu est le créateur des hommes. Il n'est pas un homme. Dieu est le créateur des anges. Il n'est pas un ange. Dieu est le créateur de la lumière et de l'obscurité. Il n'est pas une lumière ni une obscurité. Dieu est le créateur des âmes. Il n'est pas une âme. Dieu est le créateur de tous les endroits. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Dieu existe sans endroit. Dieu est le créateur des directions. Il est le créateur du haut, du bas, de la droite, de la gauche, de devant et du derrière. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Dieu existe sans direction. On ne demande pas où est Dieu et on ne dit pas qu'il est partout. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit il existe sans endroit. Subhanahu wa ta'ala. Dieu est le créateur du temps. Il n'est pas concerné par le temps. Il ne change pas. Subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah qu'il nous accorde la réussite dans l'accomplissement de ce qu'il agrée. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.